Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Jean 13,15. Demande le Christ aux chrétiens. C'est ainsi qu'ils pourront discerner ce qui convient le mieux. Philippiens 1,10. Cela n'implique-t-il pas que, dans les années à venir, nous soyons particulièrement attentifs aux hommes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société ou qui n'ont pas été préparés à assumer leurs responsabilités? Cela n'exige-t-il pas, et sans plus attendre, que nous ayons le souci de ceux qui se laissent abattre par les offenses, les humiliations, l'indifférence, de ceux que l'isolement oppresse, de ceux qui cachent derrière un flot de paroles leur misère et leur vide intérieur? À une époque où tant d'hommes expriment plus que jamais leur doléance et leur déception, le chrétien ne peut pas garder pour lui les valeurs qu'il tient de sa foi. La joie, la confiance, la sérénité, l'espérance et la sécurité. Frère, mettez votre bonheur à voir les hommes heureux.